vlog, on est dimanche, je sais pas combien, on a voté le temps. 8. Le 8, voilà. Et du coup, aujourd'hui, on a décidé d'aller au Havre, donc du coup, on est parti. On fera que les docks parce que le reste est fermé vu qu'on est dimanche. Mais là, on vient d'arriver donc au dock. Donc là, c'est une journée tranquille. On ira peut-être en Honfleur, je sais pas. Tu me diras, maman. Voilà. Peut-être qu'on ira là. Donc du coup, je vais vous vlogger un petit peu ce qu'on va faire, etc. S'il y a des trucs sympas à vous montrer dans les magasins. Mais voilà, tranquille. Et moi, bien sûr, j'attends qu'une chose et je croise les doigts pour que ça y soit. Puisqu'il y a un Starbucks. Donc du coup, je vous laisse deviner ce que je vais vouloir. On est en période d'automne. Enfin, pas vraiment, mais presque. Et du coup, à cette période-là, il y a quelque chose qui sort tous les ans. Et tous les ans, je veux ce truc là, d'habitude c'est quand on va à Disney, mais là vu qu'on a un Starbucks au Havre, je croise les doigts pour qu'il le fasse. Et donc je vous laisse deviner en commentaire de quoi je parle. On se retrouve tout à l'heure.
c'était super bon comme d'habitude. Et là en fait je vous ai filmé ce côté du resto parce qu'en fait on n'avait jamais été de ce côté là donc je trouvais ça plutôt sympa. Et ce que je dis à Alan, j'avais envie de manger chaud et quand on voit le prix, quand vous mangez des sandwichs ou des trucs comme ça, ça coûte juste un bras. Là on en a eu pour 38 euros à deux, donc avec les cocktails et les repas, les deux plats, franchement c'était très bien, ça bouge beaucoup. Donc voilà, donc on a été à Primark, donc j'ai filmé un petit peu mais pas beaucoup parce qu'il y avait quand même du monde. Alan n'a rien trouvé, moi j'ai trouvé 2-3 petits trucs mais vraiment pas grand chose. Mais voilà, le but c'était de se promener aussi. Donc je vous ai filmé des petites choses et puis voilà, j'ai essayé de filmer un petit peu tout ce que je pouvais. Donc là du coup on repart tranquillement. Est-ce qu'on s'arrête à Honfleur du coup? Oui. Ouais, donc on s'arrête à Honfleur. Donc bah, du coup s'il y a quelque chose d'intéressant, je pense la boutique Line par exemple, je la filmerai et voilà, tranquillement mais sûrement. Repart du coup de Honfleur. On s'est arrêté, donc on a fait un petit tour dans les magasins. Je voulais des, parce qu'il y a une boutique Haribo, je voulais filmer d'ailleurs. Je voulais des bonbons en cerise, donc il y en avait mais que des grosses boîtes, donc c'est pas la peine. Et du coup, alors attendez, je vais galérer 2 secondes à ouvrir ma porte parce que j'ai trop de trucs dans les mimines. Attendez, hop, on récupère ce que j'ai acheté. Tiens, amour. Bon, mon ticket. Ah, hop. Voilà. Merci mon cœur. Attendez que je fasse pas de bêtises. Et t'as tes petits trucs à manger mon amour. Ah oui. Miam. Ah bah oui, miam miam. Donc on a été chez Nike, etc. Mais on n'a rien acheté. Donc on s'était dit qu'on allait garder Line pour la fin comme d'habitude. Et pas de bol, la dame très gentille vient nous voir en nous expliquant les promos et tout ça. Elle nous dit bah, on a un petit problème avec les chocolats chauds. Je fais putain. Donc en fait il n'y avait que des frappés ou café. Mais un café autant qu'on a à la maison. Enfin je veux dire voilà, c'est du basique. Nous ce qu'on voulait c'était un chocolat chaud parce qu'en plus il fait froid et humide. Donc du coup voilà, donc du coup elle nous a proposé une boisson, elle lui a dit bah non, on voulait du chocolat chaud. Mais après elle dit bah c'est pas nous, bah non, elle y est pour rien, c'est pas grave. Si, hein. Si bah voilà. Mais en soi voilà, c'est pas grave. Et du coup on a quand même acheté du chocolat. Voilà. Donc là on va repartir tranquillement, on a à peu près 1h30 de route. Parce que nous on reprend les petites routes au lieu de l'autoroute. Pour le retour c'est plus sympa on va dire. Et voilà, et du coup on a pris chez Lindt à déguster, donc c'est menthe frappée, donc à mettre au frigo, ça c'est super bon. Moi j'ai pris celle-ci chocolat blanc et fraise, c'est une pépite avec des amandes. Et j'ai pris praliné feuille antine, ça a l'air trop bon aussi. Tu veux tes petits trucs maman? Merci. Voilà, je te montre ce que je t'ai pris chez Starbucks. C'est des petits cake pop et c'est à l'Oreo. Donc, c'est voilà. Ça. Donc ils en avaient prévu pour Halloween en forme de raccoon et on avait vu. Et malheureusement, je pense que c'est que aux États-Unis et pas en France. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Donc voilà, voilà. Donc là, on va se rentrer tranquille au bilou et on se retrouve à la maison, je pense. Bon, on est rentré, le temps est totalement pourri, donc c'est sympathique.
Sur la route en rentrant, on s'est arrêté à BM. Parce qu'on avait envie tous les deux d'une Red Bull, donc on savait que là on allait en trouver. Et voilà, donc après on est reparti, on est rentré. Là du coup moi je suis en train de faire une lessive, j'ai passé l'aspi. Comme ça on est tranquille. Et de toute façon vu le temps qu'il fait, on va rester très chill à la maison. Là il est quelle heure? 16h30, donc voilà, comme ça on est tranquille. Et puis moi je vais rien faire d'autre de particulier, donc du coup je vais clôturer le vlog ici. C'est pas un très gros vlog, mais bon, ça fait du bien de faire des petits vlogs aussi de temps en temps. Je dis ça, des fois ça dure trois plombes. Mais voilà, on vous a emmené avec nous dans notre journée, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.